Salut tout le monde, c'est Shonia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'allais dire, je suis en compagnie de. J'ai trop l'habitude de faire ça quand je suis sur Inazuma Eleven. Je suis toute seule pour le nouveau trailer de Inazuma Eleven Ares, que je suis à la fois contente et mécontente. Tout simplement parce que Level 5 m'a foutu deux rivales de plus dans le jeu. Dans le jeu, enfin, je veux dire dans l'animé, donc c'est pas des fan art, des choses comme ça, comme vous avez pu le voir. Les deux rivales qui sont implantées. Faut que j'arrête de dire des mots comme ça. Qui sont dans le en ce moment même dans l'animé et dans le manga, c'est Celia, hein. C'est une rivale, hein. On va pas se le cacher, c'est une rivale, vous l'avez vu. Même Shatna, elle n'est pas du tout dans le manga, donc voilà. Les filles que j'ai dit qu'elles étaient vraiment dangereuses, c'est qu'elles sont vraiment vraiment dangereuses par rapport aux gens qui l'ont fait. Mais les plus dangereuses, c'est quand même Celia et la fille qui était censée enfin, que le mec a dit que c'était la hermanana de Shaun. Je vous en ai déjà parlé, la sœur de Shaun, je vous le redis, on sait jamais. Du coup, on va la voir. J'espère que là, cette fois, c'est bon, c'est bien le trailer parce que j'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai eu un problème. Je la referai si Beautiful fait la Belle de Jante le veulent. Belle de Jante, je suis sûre qu'elle va pas être contente parce que elle voulait trop que son petit Jude là soit pas avec le psychopathe, vous savez, le mec qui se tenait la mèche là, qui était totalement cinglé, qu'on aurait dit à Yano. Et ben il est dans son équipe en fait. Fille gentille, voilà, c'est Beautiful Love. C'est Beautiful Love, fille gentille. Bon, par contre, je voudrais le trailer, hein, depuis tout à l'heure, je le cherche. Là, vous reconnaissez le truc de d'Arion. Vous savez, je vais le montrer. Quand tu auras fini de quoi? Attendez, on s'en bat les couilles, donc vraiment, mon mail. Non, alors franchement, Ray, je veux pas te téléphoner parce que, avec les conneries que tu m'as dit à l'école, j'ai pas envie. Non, par contre, je te dis je fous le camp, j'ai pas envie que tu restes sur mon écran. Bon, par contre, Inazuma Eleven Go, oui, c'est bien, mais c'est chiant. Nous, on veut Arès. C'est des porte-clés. Merde. C'est des porte-clés Beilong et Victor. Bon, la vidéo en fait, elle dure carrément 3 heures. On va pas l'avoir regardée en entier. Mais voilà. Je vous mettrai le lien en description aussi. Bon, par contre, les. Oh non, c'est des colliers, c'est quoi? Ah non, 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 c'est des porte-clés. Bon, je vous dis, j'ai trop. Oh! C'est trailer de. Ouais, oh, vous me saoulez là, tous. Enfin, tous. Tous ceux qui ont envoyé des. Je sais pas quoi. Galaxy. Putain, j'ai trop envie qu'ils sortent en France. Apparemment, d'après Emma, il y a aussi un petit problème au niveau des voix. Apparemment, ça serait. Apparemment, hein, d'après lui, ça sera à cause des Anglais et des Allemands. Parce qu'ils sont pas foutus de faire leur putain de travail. Hein. Ils sont pas foutus d'enregistrer leur voix et d'après de les donner. Donc si on doit se passer d'Inazuma Eleven Go et de Ares par leur faute, ils iront tous les deux dans ces pays. Cordialement, ils vont avoir pas du tout. Ils vont carrément avoir. J'avais pas du tout ma reconnaissance, pas du tout. Ils vont carrément avoir mon mécontentement. Oh putain, vous me saoulez là, m'envoyer des filles. Des messages. C'est parce que j'avais marqué filles, donc du coup, voilà, des filles. Bon, on voudrait le trailer, SVP. Ça serait pas sans demander le trailer. Je préfère avancer par seconde, parce qu'on sait jamais. Là, on a les infos de Monsieur Hillman dans Arès. Mais c'est bien qu'on ait les infos. Il y a aussi une fille qui s'appelle Aurélie. Il y aura aussi Aphrodite, je vous l'avais déjà dit sûrement, mais bon. Bon, par contre, vous allez vraiment tout me saouler. Bon, lui, je pense que c'est le fils de Level 5. Oui, je pense que c'est lui, enfin, le fils de Level 5. Je pense que lui, là, c'est le fils de lui, qui est carrément le chef d'association Level 5. Là! Merde! Non, merde, non, 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 c'est bon, c'est bon. Je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route, j'arrive, j'arrive. On reprend quand j'ai trouvé. Allez, à plus. Donc voilà, on reprend. Ça va être juste à la fin du trailer. Donc j'avance encore. Voilà, 10 secondes. Voilà, ça va être juste à la fin du trailer. Juste à la fin, vous savez. Du truc qu'on voit Shaun. Voilà, Shaun, on connaît. Shaun Hayden. On connaît. On connaît tout ça. Donc là, on va voir le nouveau trailer, je crois. C'est pas encore. On peut l'avoir le nouveau trailer, bordel? C'est pas trop vous demander. Je veux juste le nouveau trailer. Ah, voilà, il commence. Si j'ai une vidéo normale du trailer, je vais commenter par-dessus. C'est extrêmement beau. Franchement, il est plus beau celui-là. Voilà, donc. Il y a Jude avec le psychopathe, comme je vous l'ai dit, c'est lui. Oh là là, putain,
Ça m'a tué, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Jude? Pour pareil, Beautiful Wolf avait raison pour Axel, hein, je tiens à vous le dire. Parce qu'on avait fait un débat, vous savez, on avait fait un débat sur Axel, il va être où? Il va être à Raymond, il va être où? On avait fait un débat dessus. Voilà, Kidou. On dirait Caleb, mais en mode, là, on dirait pas Camélia. On dirait pas Camélia, la fille. Je peux pas revenir en arrière parce que j'ai. Franchement, la vidéo, vu qu'elle est tellement longue, j'ai trop peur de faire une connerie. J'ai envie qu'on reste là. Je la referai si j'ai le truc. Non, enfin, je la referai. Je la retournerai, mais pas avec les mêmes mots. Si on a le truc, juste le truc en entier. On aurait trop dit Camélia, la meuf. Mettez pause quand vous voyez une fille. Aphrodite, voilà. Je vous ai dit. Moi, je suis contente. Si j'ai Shaun, Aphrodite, Aiden, je suis contente. Bon, Aiden, je m'attendais pas du tout. Je suis d'accord. Aiden, je vais être honnête avec vous, je m'y attendais pas. Mais Aphrodite, putain, je m'y attendais quoi. Il était dans le sondage quoi. Je m'y attendais trop. Voilà. Donc du coup, j'ai mon petit Aphrodite. Je suis trop contente. C'est les suites rejoint. Moi, je sais pas combien de choses. En plus, ils volent vraiment quoi. C'est trop bien fait cette fois. Parce que dans le 1, ils voulaient pas. Ils sont arrivés genre avec leur stade et tout. Bah les couilles. Il voulait pas pour de vrai. Caleb. David, là, le capitaine. Donc voilà le petit con. Le petit con. Nathan. Ah, voilà, Nathan, hein, celui qu'elle aime pas. Évidemment, l'autre. La belle déjantée. Désolé si je me mélange des fois. Voilà, donc la Royal Academy. Ça. Voilà. Mon petit Aiden. Aiden. Mon petit Shaun et mon petit Aiden. Putain que je l'aime trop, il est trop chou. Fais bucker. Atsuya fait bucker. Shaun. Il en sueur et tout. Là. Merci. Level 5 de m'avoir mis cette putain de rivale. Vous l'avez vu, elle a tourné en rond. Merci de m'avoir mis cette putain de meuf. Hein. Merci level 5. Franchement je t'en veux. Là je t'en veux. Là, je t'en veux, tu as mis Vimy Aiden, ça m'allait, je voulais rien de plus, t'avais fait mon bonheur. Mais là, tu as foutu une rivale, level 5, tu m'as foutu une rivale. Désolé, mais cette meuf, elle a approché Fubuki. Ah, Fubuki, c'est son nom de famille. Elle a approché Shaun. Désolé, cette meuf a approché Shaun, je vais la tuer. Cette fille, c'est soit c'est la méthode pacifiste, soit, à mon avis, cette fille, je vais faire la méthode génocide parce qu'elle va me saouler et je vais la tuer. Vraiment, je vous jure. Voilà le mec qu'on a fait un débat de pourquoi il n'a pas la coiffure de Xavier. Hein. Vous m'avez toujours pas répondu. Merci de me répondre. Hein. Si vous avez des théories, justement, c'est une théorie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas son truc? Pourquoi est-ce qu'il a une éclair, justement, alors qu'il est censé ressembler à Xavier? Petit rappel, je vais vous montrer qui c'est Xavier. Voilà, Xavier, c'est lui. Il est censé ressembler à ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je ne sais pas. Voilà. Le petit Axel Blaze. Petit follow-up, tu vas être trop contente. Je m'en bats les couilles de ton live, ok, mec? Enfin, pas du tout. J'irai après voir ton live. Et ben, voilà. Axel Blaze et bien à Kirkwood. Voilà. Donc, franchement, Axel... Axel, c'est genre le privilégié, quoi. Genre, Shaun, c'est la victime de service, quoi. Ouais, Shaun, c'est la victime de service de level 5. Enfin, de level 5, du mec qui a créé le truc, mais pour moi, c'est level 5, hein, je sais pas du tout qui c'est, il me l'avait dit à l'oreille, mais pas les couilles. Enfin, j'ai pas retenu. Et du coup, ouais. Ouais, Shaun, c'est la victime. C'est la victime. On va pas se cacher, il a perdu son frère, il va perdre aussi des tonnes de filles qui étaient amoureuses de lui. Bon, il en a déjà perdu une centaine de filles, mais bon, on s'en bat les couilles. Franchement, c'est la victime de service. Je sais pas, il a peur d'une avalanche déjà, ça de 1, c'est une victime. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ah oui, il se fait victimiser au tournoi Football Frontier, c'est une victime. C'est une victime, j'ai envie de le tuer, level 5. Désolé, c'est une victime de service. Kaxa avec son nouveau design, hein. Alors lui. Mais alors lui, je sais pas lire le japonais. Mais on dirait pas Austin. On dirait Austin, wesh. Enfin, à part Austin. Ça pourrait être qui? Ça pourrait être Hurley. Ça pourrait être Hurley, vu qu'il est censé être dans le 2. Et vu que c'est... en fait, c'est comme si le 2 n'avait pas existé et le 3 aussi. Ça pourrait être Hurley. Mais pourquoi Hurley se serait coupé les cheveux? Et ouais, pourquoi il n'a pas les yeux de cette couleur du tout? Je sais pas, à part à Austin, il me fait vraiment penser à personne d'autre. À part Austin. Regardez son énergie, on dirait trop Austin. Là.
Ils ont fait exprès. Ça vous dit pas quelqu'un? Là, quelqu'un qui fait ça du poing. Hein? Vous réfléchissez 2 secondes? À qui ça fait penser? Je vous laisserai ça dire dans les commentaires. Je vous le dis pas. Si on a plus de révélations, je vous le dirai. C'est une surprise, hein? J'ai fait exprès. Alors lui, mais... Mais lui, il a une puissance, mais de frappe à dingue. Parce que j'ai vu le truc, mais il a une puissance de frappe à dingue. Vous allez voir. Regardez-moi la puissance de frappe à dingue. Vous m'avez vu? Regardez! Vous m'avez vu? Vous avez vu? Puissance de frappe à dingue. Il a quoi? Il a utilisé la pierre à lui? C'est quoi le délire? Le petit couple, hein. Je peux pas du tout vous dire ce que je crois qu'elle a dit, s'il te plaît. Fais attention à ce que tu fais. Là, il pleure. Je crois qu'en fait, lui, maintenant, il a le problème de Jude. Tu sais, de. Tu sais, vous savez, de plus pouvoir. Ah, le petit chouchou! Petit logo aussi de Eleven. On voit Jude, on voit bien Jude, hein. En gros plan, hein, avec sa bonne cape rose. Enfin, rose-rouge, je pense. Enfin, moi, je vois rose. Après, je sais pas comment vous voyez. On voit Raymond, donc voilà. Donc, Mark Evans. Donc, en fait, l'équipe de Raymond, c'est carrément dissous. Je vais être honnête avec vous. L'équipe de Raymond a été dissous. Je pense que c'est ça, hein, parce que vous avez vu, il y a Axel, il a Kirkwood, Shaun, il est, bon, Shaun, il est pas Raymond, mais il a été Raymond dans le 2, Shaun, il est Alpin, il est revenu dans son collège de base, Kazemaru, donc Nathan, il a été à la Royal Academy, Jude, il est dans le camp des méchants, donc du coup, ouais, là, on est dans le monde à l'envers. Level 5, t'as pas non seulement fait un monde parallèle où il y a Aiden qui est vivant, ou alors c'est ce qui est censé passer si Aiden était vivant. Mais tu as rajouté de nouveaux personnages déjà de 1. Ça, c'est ce qui est bien dans les nouveaux Nazuma, ce que tu fais. Mais bien évidemment, tu as rajouté les personnages les plus moches. On va pas se le cacher. Ils sont moches. À part le mec bleu. À part le mec bleu dans le niveau Nazuma Eleven. Mais il est trop bizarre, Stranger. C'est ça, je vous jure, mais il est trop bizarre. Enfin, il est bien, mais il est bizarre. La musique, elle est pareille. Voilà, mon petit Aphrodite, hein, on le voit en trio. Là, on voit toute l'équipe. Là, on voit le cinglé. Là, cette fille, je vous jure. J'ai envie de la tuer, je suis désolée. Je suis désolée, mais quand je la vois, j'ai envie de la tuer. Je m'en étais sûre quand je la voyais. Quand je l'ai vue, je me suis dit, putain, les Wolfeuf, tu vas nous faire un déclic. J'arrive aussi à claquer des doigts maintenant. Ouais, je suis trop contente. Ouais, parce que j'arrivais pas. Vous moquez pas de moi. Vous moquez pas de moi. Pardon, j'arrive pas à parler. J'ai envie de la tuer. Je vous jure. Avant, c'était Kevin que j'avais envie de tuer. Donc, Kevin, celui-là est de Kevin de mon collège. Hein, Kevin de 3e de mon collège. Hein, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre. What the fuck, mon téléphone a vibré. Ok, d'accord. Seringue magique. Ok. Du coup, voilà. J'ai trop envie de la tuer, cette meuf. Désolée. Mais j'ai trop envie de la tuer. Je vous jure que je sens que dans ce trailer, je vais vraiment... Je sens que là, je vais faire attention à tout ce que dit les level 5, parce que... Franchement, là, level 5, je suis vraiment mécontente de toi. Parce que je sentais que ça allait pas être une manager. Je sentais trop qu'elle allait s'approcher de Shaun. Là, elle est vraiment trop liée à Shaun. Là, elle est trop liée à Shaun. Elle est dans l'équipe. C'est vraiment comme moi, hein. Enfin, comme moi, bref. J'ai une histoire, hein. Je vais la rencontrer si vous voulez. Avec Booty Follow, hein, parce qu'elle pourra vous écrire en plus clair ce que je dis. Franchement, je le sentais. Je le sentais trop qu'elle allait être plus qu'une man... qu'elle allait pas être la manageuse. Je le sentais trop. Je le sentais trop. Et du coup, je suis vraiment, vraiment, vraiment mécontente de toi, Level 5. Parce que tu. Franchement, je vais devoir avoir à l'œil dans ce trailer. Dans cette série. Je vais devoir avoir extrêmement à l'œil dans tous les épisodes. Cette fois, j'étais bien tous les épisodes. Cette fille, je vais la voir à l'œil. Les moindres mouvements qu'elle fera, si elle approche Shaun, je ne sais pas ce que Level 5 compte faire. Mais si Level 5, tu mets Shaun en couple avec cette meuf. Mais là, Level 5, tu sais très bien que tu me mettras mécontentement. Bon, tu sais peut-être pas, mais je vais, tu, franchement, je vais être très, très, très pas bien. Je sais pas du tout c'est quoi son nom. Si c'est Kinako Fubuki, alors là, par contre, je me démonte. Hein, parce que Fubuki, c'est de 1 mon nom de famille, donc le nom de famille de Shaun et d'Aiden, donc étant le mien en japonais. Hein. Bon, j'ai pas du tout réfléchi au prénom, j'ai pas réfléchi. Donc si tu t'appelles vraiment Kinako Fubuki,
Meuf, t'es morte, c'est pareil pour toi, level 5. Je vais vraiment être mécontent si c'est vraiment la Hermanine de Shaun, donc la sœur de Shaun, parce que je suis la sœur de Shaun Frost. Et voilà, donc je supporterai vraiment, vraiment, vraiment pas cette histoire. Bon, j'ai fait un débat sur cette fille pendant 30 minutes, enfin je sais pas combien de minutes, mais bon, vous avez compris que je la déteste. Voilà, petit Shaun et petit Aiden, hein, les deux petits mignons, les deux frères jumeaux, bon, enfin, ils sont jumeaux dans le premier Inazuma Eleven, enfin dans le deuxième, dans l'Inazuma de base, hein, où Aiden est mort, et après, hop, ils sont plus jumeaux, quoi, c'est bizarre. Désolé, j'ai envie de la tuer. Voilà, là on voit l'autre. Là on voit Axel, hein, Axel, le petit Axel. Mais putain, mais on dirait trop Austin, le mec, je suis désolée. On dirait trop Austin. J'espère trop que c'est Austin. Ouais, non, mais voilà, on voit Aurélie aussi, j'ai oublié de dire Aurélie, qui a eu un nouveau design. Il est stylé, mais il y a moins d'animation que dans l'autre. Voilà. Non. Pardon. S'il vous plaît, on dirait pas un chat ce mec? Ce mec là, attendez. Ce mec là, on dirait pas un chat? Enfin, c'est peut-être mon imagination, mais. Enfin, je sais pas, mon œil qui me joue des tours, mais. On voit un putain de chat! Voilà. Je vais pas vous montrer le chat, je vais mettre le lien si vous voulez. Pas en description, parce que je sais pas le faire. En commentaire. Mais. Oh, la chaîne officielle de Yo-Kai Watch. Là, je vais m'abonner parce que j'adore le Yo-Kai Watch. J'adore le Yo-Kai Watch, ouais. Bah oui, je vous ai fait un les... Aussi, je vous ai parlé du SP Yo-Kai Watch, vous m'avez pas répondu. Bref. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein, qui m'a duré notamment énormément de temps. Je sais pas pourquoi, faut pas me le parler. Ta bouche. Faut vraiment pas me poser la question de pourquoi ça dure autant les vidéos. Franchement, je peux pas vous dire, c'est parce que j'adore faire les vidéos. Et donc, du coup, voilà. Par contre, aussi, sur cette vidéo, vous avez vu un code. C'est un code, en fait, que j'avais vu lors d'une... Comment ça s'appelle? D'une pub, en fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas le garder? Ça a l'air d'être un code assez intéressant. Et voilà. Du coup, j'ai gardé ce truc, mais j'ai rien fait avec ce code. Voilà. C'est un code pourri. Fille se prend un selfie tous les jours. What? Moi, j'aime pas me prendre un selfie, je vous jure. Enfin, les seuls qui ont vu ma tête, c'est encore Voltor, Crazy. Ça, je suis sûr qu'ils ont vu ma tête. Mais bon, voilà. Allez, je vous dis ciao ciao tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je veux vraiment que vous soyez actifs. Hein. Encore Inazuma Eleven et Léa, la petite suspeuse. Je les comprends, ils n'avaient pas Internet. Crazy, t'avais Internet. Ça, je le sais parce que tu sortais tout le temps des vidéos. Enfin, des vidéos, tu faisais tout le temps avec en live. Hein. T'as aussi fait un live GTA que j'ai bien aimé. J'aimerais trop que tu refasses ton live GTA. Voilà. Le truc qui a rien à voir. Hein. Voilà, j'aimerais trop que tu le refasses avec ta chaîne Tozi TV. Voilà. Et donc, cette fois, Inazuma Eleven et Léa, encore, ça va. Elles, je comprends. Elles n'ont pas Internet. Elles n'ont pas Internet, donc voilà, c'est normal. Mais tous les autres, mais s'il vous plaît, mais si vous êtes présents, dites-moi vos théories. Je vous ai demandé une théorie sur Xavier Foster. Xavier Foster, vous ne me l'avez même pas donné votre théorie. Enfin, vous ne m'avez même pas donné vos, je sais pas, vos explications. Voilà, donc, je leur ferai peut-être hein, si notre cher ami voudra que je leur fasse. Ouais, ils l'ont pas peut-être un petit peu peint, là, le serpent, parce qu'un serpent comme ça, ce serait, comment dire, ça serait un petit peu abusé, je pense. Voilà. Donc, franchement, je vais vous dire, hein. Cette fois, je compte vraiment sur votre participation, même si elle est longue la vidéo, je compte sur votre participation. Allez, je vous dis ciao ciao tout le monde et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.